Parfois, un relieur m'envoie ou m'amène un échantillon, un papier fabriqué il y a 200 ou 400 ans, et je vais essayer de le refaire. Chaque feuille, on va poser un feutre. C'est de la laine, c'est du synthétique. Le feutre est là simplement pour éviter que les feuilles ne se collent. Si je posais les feuilles les unes sur les autres, elles se colleraient. À ce moment-là, ça ne s'appellerait plus du papier. Ça s'appellerait du carton. Le but en fabrication manuelle, c'est de faire des papiers que l'industrie ne peut pas fabriquer. Et là, pour des artistes, j'ai eu l'idée d'utiliser de la rhubarbe. Et ce qui me fait cette espèce de couleur un peu verte. Et en même temps, surtout, ça va me donner une matière complètement différente à des papiers industriels. Donc eux, peut-être les aider à leur création en leur proposant un outil complètement différent des outils industriels. La feuille de papier, c'est un outil comme un pinceau, comme un crayon. Là, il y a encore 90% d'eau hein, dans la feuille. Donc elle est extrêmement fragile, là. Mais elle est solide en même temps. C'est vrai qu'en plus, j'ai une belle couleur, parce que quand la lumière joue là-dessus... Il y a des gens qui vont se régaler à l'encre. Ou au pinceau. Et là, ça va sécher tranquillement, 2-3 jours. Il faut que ça sèche lentement. Tous les produits qu'on met en industrie sont rajoutés pour pouvoir aller plus vite. Pour pouvoir sécher plus vite. On est 6 en France à fabriquer du papier à la main. On est une douzaine en Europe. La France étant le premier pays touristique au monde, il est normal qu'on ait une assez forte concentration. On est 4 à travailler pour des professionnels. Ce qui m'intéresse, c'est que le client vienne avec son idée, son besoin. Et je vais essayer de lui faire l'outil. Si vous voulez du papier bleu, quand on fait la pâte, on met une poudre ou un liquide. Plus on en met, plus c'est foncé. Bon, pourquoi ce serait moi qui déciderais de la quantité à mettre? Le client, s'il vient avec un petit coup de pinceau sur une feuille blanche, je saurai comment est son bleu. Moi, j'ai plus qu'à trouver ma quantité de cuivre, c'est tout. Et l'intérêt en plus pour moi, c'est que le papier, il est vendu à ce moment-là. Au lieu de le mettre sur une table, en entendant les réactions des gens, « Ah, c'est dommage, il est trop clair, celui-là, sinon... »« Ah, mais j'aurais bien aimé qu'il soit plus foncé. » Bon, on n'est pas dans l'industrie. Le créateur, c'est pas moi. Moi, je suis le technicien. Le papier à la bière, je l'ai fait parce qu'un éditeur de Rhin m'a téléphoné un jour en me disant « on sort une histoire de la bière en Lorraine ». Il voulait faire simplement le marque-page avec un filigrane. Qu'est-ce qu'on fait comme papier? J'ai pas réfléchi, je lui ai dit « on va faire du papier à la bière ». J'ai fini par supprimer la bière, j'ai travaillé sur l'orge et le houblon. Je crois qu'à partir du moment où on s'est vraiment rentré dans le crâne que faut surtout apprendre à regarder, c'est le plus long à apprendre.
Après, tout le reste, c'est du bricolage, c'est de la technique, c'est du bidouillage, c'est des choses comme ça, tous. C'est de l'artisanat.